Ainsi donc, le poteau de Hydro-Québec, numéro du poteau VFUS3X, dont on voit présentement la plaque ici, et le poteau numéro 31635 de Ville-de-Laval, et le code Hydro-Québec X6H4H détient une banque en haut pour ce qui, dans le moment, alimenterait seulement qu'un commerce qui est sur le boulevard Curé-Labelle, qui semble-t-il, semble être seulement que des prêts la porte, une entreprise commerciale dans laquelle il ne semble pas avoir de grosses machineries. Et l'ingénieur qui est venu voir l'emplacement. Alors ici, on voit que au deuxième lampadaire qu'on voit là, le premier qu'on voit au centre de l'image, le deuxième qu'on voit un peu plus loin, c'est le poteau qui est face à la banque qui est sur mon terrain qui me nuit à ma construction. Alors, d'après l'ingénieur, cette banque d'alimentation-là qui est là, sur ce poteau-là, pourrait simplement alimenter avec un câble le chinois Mansou et la banque sur mon terrain pourrait être simplement retirée. Le poteau étant là, ne nuit aucunement à ma construction, mais les porte-à-faux des banques sur mon terrain me nuisent énormément.